Mesdames et messieurs, bonjour. Le bilan du tremblement de terre qui a touché la région d'Alaouz et plusieurs régions du Maroc a fait pas moins de 632 morts et 329 blessés, parmi eux 51 personnes dans un état grave. Les autorités concernées poursuivent leur mobilisation et leurs opérations de sauvetage afin de venir en aide aux sinistrés et réestimer les dégâts du séisme. Le royaume du Maroc secoué donc par un séisme qui a frappé vendredi soir la province d'Alaouz a fait 632 morts dans les provinces et préfectures d'Alaouz, Marrakech, Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudante selon un bilan provisoire établi jusqu'à 2h du matin samedi par le ministère de l'Intérieur. La secousse tellurique donc de magnitude de 7 sur l'échelle de Richter a également fait 329 blessés et des degrés différents. Transférés aussi aux hôpitaux, ces blessés donc ont pu recevoir les soins nécessaires, a précisé le secrétaire général à la Direction générale des affaires intérieures au ministère de l'Intérieur lors d'un point de presse, ajoutant que les autorités locales et les services de sécurité et de la protection civile dans l'ensemble des préfectures et des provinces concernées ont été mobilisés. L'épicentre du séisme enregistré vers 23h11 est situé dans la commune d'Iguil, province d'Alaouz.